Et coucou, noble paysan, je suis très heureuse de vous retrouver pour le super quiz. 30 questions simples ou un peu moins vont être posées aux membres de la chaîne. C'est compris ! Qui de Jotis, Meiko, Amy, Zuriki, Oncle Buck ou Gus Gus va être proclamé grand gagnant ? La régie est prête ? C'est bon ! La régie est prête, princesse. Et c'est parti ! Mais moi aussi, je participais ! Comment s'appelle la copine de Bambi ? Bambette ? Bambina ? Bambette, Gambette ? On entend vraiment son nom quelque part à elle ? Aussi utile qu'un canard dans un coffre-fort, en tout cas. Je crois qu'il y a un rapport avec les chats, genre fauve, genre féline, je crois que c'est féline. Féline. Ah, Bambi, donc c'est féline. Oh, je me rappelle qu'elle était féline. Bonjour, Bambi. Bonjour, féline. Combien Jafar a-t-il de tenues officielles différentes dans les deux films ? Oula, tu m'en demandes beaucoup, là. Alors, grand vizir, sultan, 3. 11 ? Je sais pas. Alors si, mes souvenirs du deuxième film sont bons, il devrait avoir 8 tenues dans les deux. Je dirais 7. Je dirais 4. Grand-mère Quatre-Peur, ah ! Mais ça, c'est pas une tenue officielle, bien sûr. 6. Ah oui, c'est le méchant fashion victime. Vizir, clodo, sultan, sorcier, génie et génie humain dans le 2. Ça fait 6. I can divine a... Je dois admettre que t'es petit. Quel est le fruit utilisé par Blanche-Neige pour sa tarte ? C'est un piège. C'est une question pour donner un point au nain, ça. J'en ai aucune idée. De toute façon, j'aime que les tartes aux noix. Bah, des pommes. Machinalement, c'est une pomme, mais c'est même pas. Bon, on va dire de la pomme, mais je... Oh, ça fait une éternité que j'ai pas vu Blanche-Neige, je sais pas. Allez, je vais dire la pomme. Bah, c'est sûr, c'est pas une pomme. Parce que la grand-mère, elle arrive, elle dit il faut des pommes. De myrtille. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est la tarte aux pommes, mais non. Ce sont des prunes. Des tartes aux prunes. Tu fais des tartes. Oui, des tartes aux prunes. Comment s'appelle la meilleure amie de Pocahontas ? Je passe votre honneur, je sais pas. Je sais pas. Miko, mais j'ai un doute. Nakoma. C'est Nakoma, je crois. Nakoma. Monsieur et Madame Macaré ont une fille, comment s'appelle-t-elle ? Nakoma. Macaré Nakoma. Pocahontas. Nakoma, n'y retourne pas. J'ai déjà menti pour toi. Comment s'appelle la jeune princesse indienne du pays imaginaire ? Aucune idée, parce que je vois même pas de quoi tu parles du pays imaginaire. Lily la tigrie. Lily la tigresse. Lily la tigresse. Lily la tigresse, prends en bonne note, mouche. Oui, donc c'est Lily la tigresse. Lily la tigresse. Ils ont capturé Lily la tigresse. Quel est le méchant de Disney que l'on voit le moins dans son film, mais qui fait peur par sa réputation ? L'oncle Buck ? Le méchant traîne ? Le roi cornu, je dirais. J'aurais bien envie de dire Ratigan, parce que franchement, c'est vrai que dans Basile Détective Privé, on le voit pas beaucoup, il a une réputation qui fait peur, mais ça m'étonne. Non, je suis con, Shere Khan ! Shere Khan ? Shere Khan. Shere Khan. À la création du film La Petite Sirène, quel devait être le lien entre Ariel et Ursula ? Belle-mère et belle-fille. Oh, ça doit être une histoire de belle-mère, ça encore. Ah, je sais pas. Ta tante. Je crois qu'elles étaient nièces et tantes, quelque chose comme ça, je crois. Ça devait être sa tante. En couple, hashtag Ursariel. Non, Ursula devait être la sœur de Triton, donc elle devait être la tante Ariel. Elle devait être à la base une sirène, puisqu'elle était la sœur de Triton. Quel est le nom de la chanson supprimée de La Belle et la Bête en VHS et cinéma, mais remis dans l'édition DVD après un regret de Disney ? Non, je sais pas. Être humain à nouveau. 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 J'ai une robe, j'ai des cheveux, c'est mon vœu. Être humain à nouveau. Être humain à nouveau, rien qu'humain à nouveau.
Comment s'appelle le personnage habillé en rose avec une grosse moustache dans Merlin l'Enchanteur? C'est Sire quelque chose, mais je serais incapable de retrouver mon comme ça. Ben, c'est Pélinor, je dirais. Il est en rose? Oui, il est en rose, Pélinor, je crois. Pélinor? Pélinor ou un truc comme ça, ouais, je crois que c'est Pélinor. Pélinor. C'est Pélinor, nom d'un chien. Pélinor, seigneur Pélinor, nom d'un chien. Dépêche-toi, abaisse le pont. Non, sans déconner, j'ai envie de pisser. Seigneur Pélinor, nom d'un chien. Quel personnage chante Bonjour le printemps dans Mickey et le haricot magique? Je l'ai pas vu. Plutôt. Il y a un haricot, donc il doit s'appeler Jack. Je l'ai pas vu. Ce serait pas Jiminy Cricket. La harpe enchantée. C'est la harpe magique, les autres animaux chantent un petit peu avec elle, mais c'est elle qui chante principalement ça. C'est la harpe enchantée. Elle est doublée d'ailleurs par la même comédienne de doublage qui a fait Belle et Juliette dans Le Cygne et la Princesse. C'est d'ailleurs elle qui a doublé Belle dans les Kingdom Hearts. Ah, bonjour le printemps, il y a du soleil dans le bleu du ciel, quel enchantement. Comment s'appelle le personnage qui chante Nuit, belle nuit? Bon, je sais pas. Mais tu m'as dit qu'elle serait facile, t'as mis les questions, là. Luigi, Mario, je sais plus. Alors, c'est pas Luigi. C'est l'autre, mais j'ai plus son prénom. Louis. Non, si, Louis. Moi, j'appelais Louis. Tony, le roi des spaghettis. Oui, c'est Tony. J'étais en train de mélanger avec son petit cuistot, là. Non, c'est Tony. Nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie. Tony? Tony, c'est les rois des spaghettis. Bonne nuit, belle nuit. Comment s'appelle la maman de Nemo? Elle a un prénom? Pouf, alors là, Sushi Barracuda. Je passe. C'est Corail, on la voit pas beaucoup non plus la pauvre. Corail. 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 Est-ce qu'on avait vraiment besoin de tant d'espace? Corail, chérie, voyons, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Comment s'appelle l'oncle chez qui Mary Poppins va prendre le thé? Il rigole tout le temps. Je sais plus. Ça date trop, Mary Poppins, je me rappelle plus. Je sais pas. Certainement pas l'oncle Buck, ce serait une faute de goût absolue. L'oncle Jack? J'ai envie de l'appeler l'oncle Albert ou l'oncle Hubert, quelque chose comme ça. Je valide Albert. Oncle Albert. Deux, je suppose, oncle Albert. Oui, s'il vous plaît. Beurre? Comment s'appelle le chanteur que Max, le fils à Dingo, adore? Je m'en rappelle plus du tout. Bon, on enchaîne. Je passe. Mais j'ai déjà vu son nom en plus. Je vois, oui, c'est tout groovy, là, un peu le chanteur. Mais alors j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom, je le connais pas du coup. Powerline, la plus grande star de la planète. Powerline. Tum, tum, tum. C'était pas vrai ce que tu m'as dit sur Powerline et ton père? Quelle princesse a perdu sa VF officielle pour des raisons obscures? Qu'on a pu remarquer dans Ralph 2.0 où Disney a été chercher les autres VF des princesses, mais pas elle. Je passe. Je crois que c'est Ariel. Pocahontas. J'ai validé Elsa. Mais... Elsa. Tu as trop parlé, Elsa. Elsa. Alors, c'est Anaïs Delva. Elle a perdu le rôle d'Elsa. Peut-être parce qu'elle aurait tourné dans Aladdin 2 avec Kev Adams sans vraiment avoir l'autorisation de Disney. Et elle a joué plus ou moins le rôle de la Reine des Neiges, justement. Et, mais bon, c'est un secret. Il ne faut pas le dire. Les contrats, ça reste pas et tout. Je suis désolé, c'est Disney. Jamais il ferait ça. Hein. Le plus mauvais move de sa carrière. Hein. Elle perd son contrat avec Disney pour faire un caméo dans Aladdin 2. Waouh. Tes mains magiques. Non. Quand la princesse Tiana rencontre une montagne, que fait-elle? Je sais pas, elle escalade, elle est courageuse, c'est une femme forte d'aujourd'hui. Elle va pas faire le ménage devant. Je m'en rappelle plus du tout. Si je rencontre des montagnes, je les soulève. Jerry, qu'elle les soulève. Je suis pas sûr, mais Jerry, qu'elle soulève les montagnes. Elle la soulève. Si je rencontre des montagnes, je les soulève. Quelle est la particularité que Disney a voulu donner au film de Lilo et Stitch? Je pense que c'est un style aquarelle. Je sais pas. La science-fiction.
une mascotte insupportable avec la voix de Vianney, Christophe Maé et Jérémy Frérot réunis. Non, il y a que des couleurs vives. Les personnages ont des formes un peu plus arrondies. Des traits arrondis, ouais, ouais. Tout est dessiné avec l'intention de donner cet aspect rond, sympathique et chaleureux. Les gens, sans savoir pourquoi, aiment le personnage. Ils le trouvent agréable. C'est en fait grâce à ses formes rondes et ovales. Quel est le nom de famille de Jim, de la planète au trésor? Crawford, comme Billy, je sais pas. Hawking. Hawkins. Hawkins. Madame Hawkins. Et mon verre de café. Oui, j'arrive tout de suite, Madame Moody. Comment s'appelle le prince capturé par Maléfique? Philippe. Bah c'est Philippe. Philippe. Viens ici que je te... Vous semblez triste, prince Philippe. Pourquoi cette mélancolie? De quel film vient la phrase « C'est pour ton or que l'on t'adore » ? Je sais pas. Non, je sais pas. Si, tiens, je vais verrouiller Pocahontas. Parce que comme ça, il parlerait directement du continent. Je ne vois pas du tout. Ça va être horrible hors contexte. C'est les chiennes. Quand Roublard, il passe à côté en chantant « Mais pourquoi sans en faire ?» Et elles sont comme ça « C'est pour ton or que l'on t'adore !» Il est tout en passif. Oliver et compagnie. C'est Oliver et compagnie. Mais pourquoi sans en faire? Je suis de la rock génération et j'ai grimpé au noisetier. Oliver et compagnie, bien sûr. Qui est le méchant du film Wall-E? C'est l'intelligence artificielle. Oh, c'est un nom de robot à la con, mais c'est le machin qui fait comme ça là. C'est la barre. L'ordinateur de bord. L'intelligence artificielle du vaisseau. Wally, alors attends, c'est le robot gouvernail? Mais comment il s'appelle lui? Otto, je crois. Alors, il y a la pollution qui est méchante, et après il y a le gouvernail du vaisseau. Je crois qu'il s'appelle Otto. Alors, l'antagoniste du film, c'est clairement la débilité de l'être humain. Oh là là, cette race. Sinon, je suppose qu'on parle de l'intelligence artificielle de l'Axiom. Otto, je crois. Bah, après tout, il fait qu'écouter les ordres que les humains lui ont donnés, hein. Quoi? Oncle Buck est un humain. Étonnant, hein? Otto! Quel est le vrai nom de Vaiana? Moana. Moana. Tu veux dire Moana? Eh ben, c'est Moana. 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 Ragnagna. Non. Moana. De quel fait naturel le film Alerte Rouge est la métaphore? J'ai pas vu Alerte Rouge. Oh, je l'ai pas vu celui-là. Bah c'est les problèmes de filles, on va dire. Les règles. Bah les ragnagna. Je dirais le cycle menstruel de saignement des gens qui ont des saignements mensuels. Les menstruations. Serviette ordinaire parfumée. Et l'animal Taram affronte au début de son film et le compare au seigneur des ténèbres. Non, je sais pas. Des canards, j'adore les canards, à bon entendeur. Un bouc? Je dirais une chèvre. Parce que de mémoire, ça n'a pas les cornes d'un bélier. C'est peut-être un bouc. Un bouc. Il est dans la cour de sa ferme avec son petit bâton. Il est en train d'affronter un bouc. Ah oui, à la chèvre. Enfin, un bouc. Le voilà. Sa Majesté le Seigneur des Ténèbres. Dans Bernard et Bianca au Pays des Kangourous, qu'utilise Franck pour ouvrir sa cage? Sa queue. Sa queue. Je rentre ma queue. Un quart de tour vers la gauche. Je mets la queue dans le trou. Je tourne vers la droite. Tout est une histoire de synchronisation. C'est un truc pour qu'on se fasse virer de la chaîne ou de YouTube, là? Sa queue. Ah oui, c'est sa queue. Sa queue. Ah, sa queue. Il utilise sa queue. Je prends le bout de ma queue, et je le mets dans la serrure et je m'en sers de piège. Je rentre ma queue dans le trou et je tourne comme ça. Un quart de tour à gauche et je l'enfonce un peu plus. Tout est dans la synchronisation. Je pousse un petit peu, je tire vers l'arrière, je pousse vers l'avant, je tourne vers l'avant. Quel est le nom du premier enfant de la première princesse Disney à avoir enfanté? Kiara, dans Le Roi Lion 2. Je vais dire Ariel et je vais dire Mélodie. Mélodie.
Mélodie. Alors, je sais pas si Kiara est sortie avant la petite sirène 2. En tout cas, je ne pense pas que c'est une princesse en tant que telle. Donc, je dirais la fille à Ariel, soit Mélodie. Je crois que c'est Ariel, la première enfantée. Je dirais que c'est Ariel, la fille d'Ariel. Mélodie. Bah, la première, du coup, est devenue maman, c'est Ariel. Donc, ce serait Mélodie. Tu es le chant de ma vie. Tu es ma jolie Mélodie. Cite-moi un personnage de Disney qui a rejoint la licence Disney Princesse et qui est donc devenue une princesse Disney officielle. Pocahontas. Pocahontas. Mulan. Mulan. Proxy Mulan. Mulan et Pocahontas. Pocahontas et Mulan. Comment s'appelle le méchant de La Belle et la Bête 2? Ah, le piano. Fanfé, forte, forte. Maestro Forte, et pas Fanfé. Forte. Maestro Forte. J'adore ce méchant. C'est Forte, c'est le l'orgue, là, non? Oui. Bah, l'oncle Buck. Forte. Comment s'appelle la maman de Dumbo? Un nom vieux. Brigitte. On va l'appeler Brigitte. Michel. Madame Jumbo. Madame Jumbo. Alors, c'est Madame Jumbo. Madame Jumbo. Madame Jumbo. Madame Jumbo. Quel est l'animal totem du frère décédé de Kinaï dans Frères des Ours? Je dirais... le loup. Un aigle. Un aigle. Tika, ça je sais, et son totem c'est l'aigle, et je crois même qu'il dit l'aigle éclaireur. C'est l'aigle. Je pense que c'est un aigle. Un aigle, ça a toujours plus de classe qu'un canard, hein. C'est le cas. Et le grand gagnant est... Amy. On applaudit bien fort Amy. Bravo Amy, bravo, bravo. En effet, bravo à Amy qui a répondu à 24 questions sur 30, bravo à tous les autres et particulièrement à Jotis qui ne s'est jamais vendu comme un grand fan de Disney et qui pourtant s'est bien débrouillé et a presque eu la moyenne sur des questions qui étaient pas forcément évidentes. Et je vous laisse avec certains des participants qui voulaient vous dire un petit mot. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, ça m'a donné énormément de travail, de préparation, de montage, etc. Donc si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à le dire, à partager, à aimer, etc. Peut-être qu'on en refera d'autres avec d'autres participants. Et désolé pour le retard qu'a pris Encanto, en fait on est perdu dans la tour, du coup faut qu'on la retrouve. Mais vous inquiétez pas, dès qu'on l'a, on vous la montre. Et bah, d'ici la prochaine fois, continuez de rêver, bisous. Si vous voulez continuer à suivre mes nombreux dessins, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est juste là, Roxley. Bah, j'aimerais revenir, mais la communication avec ma sœur est assez compliquée. Après, j'abandonne cependant pas l'idée de revenir manger du canard chapeauté avec vous bientôt. Enfin, si le temps me le permet. Allez, bisous, kiss. Oui, j'ai été très absent pendant une très longue période, mais à cause d'une grosse dépression. Je prévois un retour. Je compte abandonner la vidéo des remakes Disney et j'ai envie de repartir sur des bonnes bases, sur ce qui me faisait plaisir à la base. Faire des vidéos qui me plaisent avant tout et qui ne me font pas chier. Désolé pour mon langage. Voilà, les remakes Disney, c'est de la merde. Il y en a très peu qui sont bons. Salut!